Bonjour et merci Timothée pour l'invitation. Alors, est-ce que vous connaissez Gary Hemming déjà? Qui connaît Gary Hemming? Tout le monde? Ouais. Enfin, ou entendu ce nom-là? Jamais vu? Oui, ça. Moi, c'est quelqu'un qui m'habitait depuis longtemps comme personnage un peu mystérieux de l'histoire de la montagne. Et qui a commencé à me travailler quand j'ai rencontré Pierre Mazeaud pour d'autres sujets. Et Pierre Mazeaud m'avait parlé de Gary Hemming beaucoup, qu'il a très bien connu. Alors c'est un peu surprenant parce que Mazeaud, c'est plutôt une image de quelqu'un qui n'est pas un héros beatnik comme on a titré le livre, donc il est plutôt du côté du droit et de aujourd'hui du droit et de l'ordre, mais à l'époque je crois qu'il était un petit peu plus excentré, on va dire, sinon vers la gauche. Et Mazeaud, qui donc avait connu des nuits et des jours un peu agités à Chamonix, avait rencontré Gary Hemming et s'était lié d'une profonde amitié avec lui. Notamment quand Gary Hemming était à Paris, il logeait souvent chez Mazeaud quand il n'était pas sous le Pont Neuf, parce que Gary Hemming se faisait envoyer son courrier à Paris, Gary Hemming sous le Pont Neuf, et ça lui arrivait par mystère. Donc Mazeaud avait bien connu Gary Hemming, qu'il estimait énormément, non pas comme alpiniste, il l'appréciait comme alpiniste, mais il considérait surtout comme un grand intellectuel, poète, quelqu'un qui nourrissait sa réflexion, voilà. Donc pour moi c'était un aiguillon pour essayer de comprendre un peu ce personnage. J'avais un élément dont on parlait souvent avec Lorraine Afanassieff, dont vous devez savoir qu'elle tient la boutique Guérin à Chamonix, donc on discute souvent ensemble, on discute beaucoup des projets de livres qu'on met en route. Et Lorraine me parlait du film que Jean Afanassieff, son mari, avait tourné sur Gary Hemming dans les années 90. Film que j'avais vu, qui était là aussi assez mystérieux, avec quelques... Enfin, mystérieux. Il y avait des témoignages très, très présents de gens qui étaient encore vivants à l'époque sur le sauvetage du Dru. Donc l'heure de gloire de Gary Hemming, c'est le sauvetage du Dru en 1966. Donc deux Allemands coincés en haut de la face ouest, et Gary Hemming, suivi par des maisons, emmène toute une équipe de très forts grimpeurs par la face ouest pour aller sauver ces deux grimpeurs coincés en haut de la face. Et dans le même temps, donc le sauvetage a créé une bonne ébullition médiatique, parce que dans le même temps, il y avait une équipe de la MHM qui montait par la face nord. Voilà, beaucoup d'attention sur ce sauvetage, et au final c'est les grimpeurs modernes et les bons grimpeurs qui gagnent et qui arrivent à sauver en redescendant par la face ouest. Ce qui est marrant, c'est qu'à la sortie, à la descente de ce sauvetage, il y a donc Hemming qui est un parfait inconnu en France, et des maisons qui commencent à être à avoir un peu un bon calibre dans les alpinistes connus, voilà. Mais il y a celui qui attire l'œil de tout le monde, c'est Gary Hemming. Et ça, c'est un phénomène assez étonnant. Ils descendent de l'hélicoptère, tous à peu près ensemble. Gary Hemming, alors évidemment, il dépasse d'une tête tout le monde, il faisait 1m92. Donc c'est plus facile peut-être pour les caméras d'aller vers celui qui dépasse. Et puis il a un physique, il a du charisme, il a un physique qui est très séduisant, quoi. C'est un playboy, voilà. Et puis il vient de Californie, il y a aussi cette aura du grimpeur californien dans le massif du Mont Blanc. On sait que les Californiens, déjà à l'époque, on sait qu'ils ont ouvert une fin, qu'ils ont abattu des barrières, qu'ils ont vraiment innové dans le massif du Mont Blanc. Donc Gary Hemming a ouvert la directe américaine dans la face ouest des Drus. Il a ouvert la face sud du Fou avec John Harlin et deux autres, voilà. Et donc
toute cette aura fait que voilà, les caméras se tournent vers Gary Yeming. Et là, il y a une espèce de phénomène totalement incroyable que je mesurais un petit peu, mais que j'ai vraiment touché du doigt en préparant ce livre. Parce que, bon, je vous raconterai après comment je suis arrivé là, mais j'ai retrouvé la femme, celle qui a été la femme de Gary Yeming, qui vit toujours à Grenoble. Et donc, il y avait des caisses d'archives. Et dans ces caisses d'archives, il y avait des piles, des caisses entières de lettres d'admirateurs et d'admiratrices écrites entre 66 et 67. Ça a duré assez peu de temps, mais il y a eu une période où c'était, il a été dans tous les journaux, les magazines féminins, il a tourné un film pour la télévision, voilà, c'est devenu vraiment, du jour au lendemain, c'est devenu une vedette. Il a eu un moment de gloire qui, d'après Pierre Mazeaud, a contribué à sa chute, parce que bon, là, c'est une fin assez triste. Hein. Gary est mort en 69 d'une balle de pistolet dans la tête, assez probablement tirée par lui-même. Et donc c'est une histoire qui se termine mal, et c'est assez étrange de voir à quel point on passe d'une espèce d'engouement mais national pour ce personnage entre 66 et 67, et Gary qui repart vers la vie qu'il a toujours voulu avoir. Hein. Il n'a pas non plus joué vraiment le jeu de cette exposition. Il n'a pas cherché à rester célèbre à tout prix. Il est reparti en voyage, se balader, travailler en Alaska pour gagner sa vie, etc., etc. Donc, je reviens un peu en arrière, et puis après je vous laisserai poser des questions, parce que j'ai pas envie de parler trop longtemps tout seul. Mais j'ai cet échange avec Pierre Mazeaud qui me dit qu'il y a une caisse de documents. Donc Pierre Mazeaud me dit Gary Yeming, il se voyait comme poète et écrivain. Il est plus qu'alpiniste, il se voyait comme aventurier, poète, écrivain. Et Mazeaud me dit, il y a une caisse de documents quelque part, et c'est le livre qu'il voulait écrire. Donc moi, je suis éditeur, on me dit ça, je me dis, bon ben, on va essayer de retrouver la caisse, la malle au trésor. Et c'était compliqué, parce que Mazeaud me disait qu'il avait donné la caisse à Mirella Tenderini, justement, qui a écrit cette biographie. Mirella me dit, je l'ai rendue à Lorraine, qui était le fils de Gary Yeming, et Lorraine introuvable, visible dans le film de Jean Afanassiev. Il y a une séquence qui est tournée avec lui, mais aucune trace nulle part, je n'arrive pas à retrouver Lorraine. Et petit à petit, bon, je vous passe les détails des recherches, mais j'ai fini par retrouver Claude Gergenton, qui a été donc la femme de Gary, et qui vit toujours à Grenoble, donc qui vit, qui est malade, qui est âgée, mais qui était présente avec une mémoire toujours très vive. Très touché qu'on s'intéresse encore à Gary. Et donc elle m'a vraiment ouvert ses archives, ses souvenirs. Donc voilà, ça a été un beau moment, un petit peu frustrant parce que, mais bon, je pense que c'est le propre de toutes ces quêtes qu'on mène. J'avais trouvé la malle au trésor, mais en fait le trésor, il était compliqué. Et en fait, il était compliqué à... C'est-à-dire qu'en fait, c'était le livre, sans doute, dont Gary avait rêvé, mais ce livre-là, il avait été, donc il avait signé à l'époque, en 1966-67, juste après le sauvetage du Dru, Gary avait signé un contrat avec le Seuil, avec des conditions absolument mirobolantes pour l'époque, que j'oserais même pas faire aujourd'hui comme éditeur, et sauf que ce livre n'avait jamais été publié, et en fait il n'avait jamais été publié parce que Gary était très intransigeant, qu'il était et qu'en fait il avait deux projets en tête, ce que j'ai découvert petit à petit en fouillant dans la malle et puis en trouvant des traces des plans des deux livres en fait qu'il avait en tête. Un de ses livres, ça s'appelait tout simplement Escalade en Californie. Donc il voulait raconter aux Français, expliquer aux Français ce que c'était que l'escalade telle qu'elle se pratiquait, le libre, hein, qui était vraiment une invention. Alors peut-être que quelqu'un va me détromper ici, mais je crois que c'était les Californiens étaient très pionniers en la matière, hein, le libre très puriste, hein, sans, on laisse pas de traces. Enfin, je vous en parlerai un tout petit peu après, parce qu'il avait Gary a théorisé ça, et je pense que c'est l'essentiel du livre qu'il avait en tête. On l'a repris dans ce livre.
Et je vous en lirai peut-être un tout petit passage. Et donc il y avait dans la tête de Gary ce livre sur l'escalade, mais en même temps, il voulait exprimer ce qu'était sa vie. Et sa vie, c'était des carnets de notes qu'il remplissait tous les jours, avec des dessins. Alors parfois, c'était un peu sous substance, donc pas toujours très très clair, mais c'était très intime, très obsessionnel. Il était amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui, qui ne voulait pas de lui. Et il n'a jamais vraiment digéré cette histoire. Et donc, il a énormément écrit pour lui-même des lettres qu'il voulait lui adresser, des brouillons de lettres. Enfin, voilà. Donc, c'est rempli de ce matériau qui est très émouvant. Moi, j'étais vraiment assez troublé de rentrer dans son univers avec ses lettres, un peu obsessionnel, quoi, répétitif. Mais en même temps, j'ai assez bien compris que l'éditeur à l'époque ait dit non, je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Et j'imagine assez bien ce qui a pu se passer. Que Gary Hemming, à qui on dit je sais pas ce qu'on peut faire avec ton livre, je pense pas que c'était quelqu'un qui aurait dit on va voir, on va travailler pour que ça devienne publiable. Je pense que c'était un vrai bosseur. Alors là, oui, il bossait, il faisait des programmes, des plannings, il a fait. Beaucoup de sommaires pour son livre sur l'escalade. Je pense que le livre sur l'escalade, c'était un livre qui aurait intéressé sûrement les grimpeurs, mais c'était pas le livre grand public que son éditeur attendait. Et son livre personnel, il était trop personnel. Ou alors peut-être qu'aujourd'hui, un éditeur, je sais pas, quelqu'un qui publie Antonin Artaud ou des écrits un peu surprenants pourrait trouver une façon de le... Moi, éditeur de montagne, j'ai été obligé d'admettre qu'il n'y avait pas un livre sans aller non plus trop loin pour ne pas trahir ce que Gary avait voulu faire. Il n'y avait pas un livre publiable en l'état aujourd'hui. Voilà. Et alors, ce que je vous ai dit que je voulais vous lire un petit peu, puis après je vous laisserai la parole pour poser des questions. Mais Gary avait publié, parce que donc il a beaucoup écrit et beaucoup écrit sur donc l'escalade en Californie, et il a publié un texte qu'on a reproduit intégralement à la fin du livre en annexe, qui a été publié dans la montagne, dans la revue du Club Alpin, sous le titre « À la recherche d'un équilibre ». Et je trouve que c'est assez fascinant parce que c'est un texte vraiment visionnaire. Je pense que ça peut parler à des gens ici parce que c'est une ode à l'écologie. Il cite John Muir, il cite les racines de l'écologie aux États-Unis. Il dit que il situe l'Indien et l'Américain en gros de façon assez, c'est incroyablement actuel, quoi. Et visionnaire et en avance sur son temps. Et il énonce de façon très très claire tous les principes de l'escalade libre. Je vais voir si je peux vous les résumer. C'est un côté un peu sérieux, hein, très. C'est pas du tout là, c'est pas fantasque, hein, c'est pas écrit sous peyote ou sous LSD. Il a pratiqué les deux. C'est vraiment carré. Voilà. Donc il dit les principes, c'est ne laisser aucune trace de son passage personnel. Donc on bannit les pitons, il invite à casser les pitons à expansion. Je trouve que à l'époque, ça commençait peut-être, mais. Passer tout ce qu'on peut de façon naturelle, donc ça c'est les principes du libre, hein. On essaye de ne pas toucher au python, on peut, alors il fait une petite exception, il dit, ça c'est le point suivant. Le point suivant c'est le passage en libre, avec les techniques modernes, il faut le définir nettement, cela signifie qu'on ne se sert jamais ni de la corde, ni des pitons, ni des mousquetons, ni d'aucun autre objet qui ne soit partie intégrante de la roche pour autre chose que l'assurance. Ne jamais utiliser de python à expansion, même déjà en place, sauf en dernier ressort. Et ça, je trouve ça intéressant, pas trop de renseignements sur une voie avant de l'attaquer. Il faut juste une idée du cheminement, où elle démarre, où elle finit, les degrés des difficultés qu'on va rencontrer et le matériel spécial à emporter. Avec plus de détails, on risque trop de perdre la joie de résoudre soi-même les problèmes. Voilà. Je vous invite à aller regarder de plus près parce que c'est vraiment, et notamment le début de cet article où il parle de l'Indien et de ce que les Américains ont poussé à leur limite pour soumettre la nature. Il dit la vision que vous avez des Américains en France, et vous avez raison, c'est des gens qui ont tout fait pour mécaniser, soumettre la nature, construire.
En gros, il dit, nous les grimpeurs, on n'est pas comme ça. Nous les grimpeurs californiens, on a inventé une façon d'aborder la montagne qui est beaucoup plus naturelle et donc avec ses principes. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant, je suis obligé de l'admettre, c'est un peu dur comme éditeur, c'est quelque chose qui n'était pas complètement inédit, qui avait été publié dans La Montagne, mais qui je pense mérite d'être entendu aujourd'hui et de se dire que je crois qu'il date de 1964, cet article, voilà, octobre 64 dans La Montagne. Je trouve que c'est assez, ça donne à réfléchir, de se dire que ça va faire 60 ans l'année prochaine. Il y a déjà quelqu'un qui était capable de poser ces principes qui nous semblent peut-être totalement vitaux aujourd'hui, hein, mais je pense qu'on les a quand même pas mal oubliés, enfin en tout cas en dehors du monde des grimpeurs et de les principes du libre, je pense que ce sont des, je vois quelques personnalités ici qui les ont appliqués de façon assez extensive, mais en montagne, mais dans la société, je trouve qu'il y a vraiment une vision écologique qui est écolo, qui est très visionnaire, voilà. Donc voilà, moi je suis tout oui pour entendre vos questions. Merci beaucoup, Charlie. Je vais attaquer par la première question parce que je trouve qu'elle rebondit un peu sur ce que tu disais. Et je voulais savoir, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais quelle est l'image ou la place justement de Gary Hamming dans sa société d'origine, les États-Unis? Parce qu'on sait qu'ici, par exemple, il a un statut quasiment mythe, notamment chez ceux qui organisent des festivals autour de la pierre d'Horta. Mais là-bas, aux États-Unis, est-ce qu'il a la même place qu'il peut avoir à Chamonix? Réponse simple, pas du tout. Voilà. J'ai rencontré au Festival d'Autran cet automne un réalisateur américain qui vient de faire un film sur Jeff Becker et qui a fait un super film un peu du je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Valley Uprising. Il passe demain. Oui. Voilà, Valley Uprising qui est un superbe film cet univers là de l'escalade en Californie. Donc ce même je ne suis plus sûr que ce soit le même producteur, mais c'est dans le même esprit, c'est un film avec des très bien produits à l'américaine, avec un mélange de documents d'archives, de petits bouts animés, enfin voilà, et qui fait revivre Fred Becker de façon très impressionnante. Alors c'était assez marrant parce que Fred Becker était un peu plus âgé que Gary, et en fait comme il est, moi j'étais sûr qu'il était plus jeune, mais parce qu'il est mort bien après, Gary est mort très jeune, voilà. Donc je voyais Fred Becker comme quelqu'un de très très lointain dans le passé, alors qu'en fait il reste très présent, et donc voilà, ce producteur qui a fait qui présentait ce film, au moins il le présentait, je suis sûr, ça me revient, c'était le producteur du film sur Fred Becker, et il n'avait jamais entendu parler de Gary Hamming. Voilà, donc Fred Becker, mythe de l'alpinisme aux États-Unis, qui est un type assez extraordinaire, hein, qui a fait des premières absolument partout, qui avait une espèce d'éthique de surtout ne pas se mettre en avant, ne pas être connu. Je sais pas si vous avez cette photo en tête. Il y a une photo qui est très connue dans le Yosemite, c'est un type qui fait du stop avec Will Be Life for Food. Et donc c'était vraiment le clochard des le mec qui vivait. Je crois qu'il est mentionné aussi dans un film, mais dans Valley Uprising. Mmh. C'est le clodo qui campe au pied du Nose et du Cap et qui s'arrange pour échapper toujours aux Rangers. Et voilà, donc le type vraiment qui le voit. Bon, voilà, personnalité formidable. Très mythique parmi les grimpeurs américains. Je ne sais pas si ça va très au-delà, sa notoriété. Mais en tout cas, Gary a été célèbre en France. Il a finalement... et puis dans le massif, il a ouvert deux voies majeures qui restent des morceaux d'anthologie. Hein, la directe américaine et la face du fou, ce sont des très grands moments de l'alpinisme, de la grimpe ici. Et dans le Yosemite, il n'a pas ouvert grand-chose en fait. Il avait en tête la faceuse du Half Dome, et puis il s'est fait griller sur ce projet.
Voilà, donc la réponse, non. Okay. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cherville sur Gary Hamming, sur même cette ambiance assez spéciale que les Américains ont amenée à Chamonix dans les années 60? Comment chier dans les bois? Alors il racontait, je pense, je ne sais pas si ça vient de lui, mais pour ne pas salir la paroi et le capitaine. Donc il disait comment confectionner sa boîte à pipi, sa boîte à caca, enfin, etc. Alors moi je connais Comment chier dans les bois, donc le livre fameux et best-seller, mais Comment chier en paroi, je ne sais pas s'il y a un lien. Vous avez entendu un lien avec Gary Hamming ou c'est... Sur place là-bas, quoi. Oui, c'est ça, mais pour le coup, je ne crois pas que Gary soit impliqué dans cette affaire. Non pas que, je pense qu'il aurait été sûrement tout à fait d'accord sur le principe, mais je ne pense pas qu'il ait été très impliqué, surtout dans des très longues ascensions en paroi sur de nombreux jours. Ce qu'il a fait ici dans le massif, c'était pas... il passait moins de temps. La face sud du fou, ils ont fait plusieurs tentatives, mais en descendant au refuge à chaque fois, je ne pense pas qu'ils aient jamais passé plus de... Ils ont peut-être fait un bivouac dans la voie, mais voilà, c'était pas le... C'était pas les grandes ouvertures sur un mois au Nose ou à El Cap. Donc voilà. Donc je crois pas que ce soit lui directement. Et quand il dit clean climbing ou le libre, il pense vraiment au matériel, à cette trace qui est malheureusement plus durable, hein, parce qu'un piton ça dure plus longtemps qu'une trace de. D'autres questions? Moi, j'en avais une un peu politique, on va dire, parce que c'est vrai qu'on retrouve assez peu, même dans le premier ouvrage sur Gary Hamming non plus, c'est la couleur politique justement de Gary Hamming, parce qu'on parle là, comme tu disais, de vagabond, de beatnik, de clochard des parois, mais j'ai cette anecdote en tête, je ne sais pas si elle est vraie non plus, d'affichage justement de portrait de Mao dans le centre-ville de Chamonix avec un certain Gilles Baudin. Et je voulais savoir si toi, tu avais justement, dans tes recherches, eu, je ne sais pas, des pistes ou des discours ou quelque chose qui pourrait justement attester une couleur politique chez Gary Hamming. Alors des pistes, oui. Mao, non. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu, ça m'aurait marqué. Mais oui, il était très passionné par la politique. Il suivait JFK, par exemple. L'assassinat de JFK, il remplit des pages de son journal. Il colle des articles de presse. Enfin, il est très passionné, mais je ne vois pas un engagement politique assumé. Je pense pas que son engagement ait pris des formes politiques. Je l'ai pas vu dans son... Voilà. Je pense qu'il a plus un côté un peu anard. Je pense qu'il est plus individualiste que ça, ce que j'en perçois. Hein. Et sinon, quand il est aux États-Unis, dans l'Ouest américain, il a un rejet du côté macho, alors là, par contre, très réac, le côté cow-boy brutal, macho, et il se fait casser la gueule par des cow-boys. Alors, je ne sais pas si c'est de la politique encore ou déjà, mais il commence à provoquer un peu des cow-boys macho, et là, il se fait vraiment, vraiment bien abîmé, et il passe plusieurs jours à l'hosto, et voilà. Mais... Est-ce qu'on peut appeler ça engagement politique? Je ne sais pas. En tout cas, dans un parti, j'ai pas de souvenir. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui se manifeste dans ces journaux de façon importante. Et une autre question, je pose des questions du coup. Pourquoi justement ce choix de rééditer ce livre? C'est parce qu'il n'y avait plus forcément de stock de l'ancien, ou tu as senti une volonté nouvelle de se renseigner sur Gary Hamming, une sorte d'appel, ou c'était vraiment un pari pour toi? Alors pour moi, c'est un personnage très quelque chose à nous dire aujourd'hui, donc j'avais envie qu'on le remette un peu sur le devant de la scène.
Peut-être, d'ailleurs, il y a une autre, une nouvelle biographie qui vient de sortir en Italie. Donc il y a un intérêt quand même qui n'est pas spontané et immense. Hein, c'est quelqu'un qui a quand même été un peu oublié. Mais moi, je pars toujours dans ce que j'ai dit. J'ai toujours envie de partir de ce qui me parle, de ce qui m'intéresse moi. Donc là, ça, c'est un peu égoïste, ça m'intéresse moi. Et après, pourquoi rééditer Mirella Tenderini? Parce qu'elle a eu la chance, il y a 30 ans maintenant, de rencontrer pratiquement tous les gens, puisque Gary étant mort très jeune, ceux qu'il avait connus, sa famille, sa mère, ses sœurs, elle les a tous vus, ses petites amies aux États-Unis, enfin, donc elle a vu tout le monde. Et l'enquête qu'elle a faite, elle n'est plus possible aujourd'hui. Donc en fait, la matière de cette biographie, ce serait plus possible. Alors on peut se réemparer du personnage. J'espère, moi je serais ravi que ça donne à quelqu'un d'autre l'idée de s'emparer du personnage et d'écrire à nouveau sur lui. Mais, ou de faire un film. Je sais qu'il y a des Anglais qui ont en tête de faire un film sur lui. Donc oui, j'ai envie qu'on l'entende. Voilà, c'est l'essentiel de la réponse. Et à partir de ce moment-là, c'était pour moi la meilleure façon de le faire, sauf si j'avais trouvé son livre tout près. Qui m'attendait dans la malle, ça aurait été de faire ça. Et je voulais vous montrer, j'y pensais tout à l'heure, le livre dans la malle, en fait, il avait essentiellement cette forme-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des carnets. Et donc, chaque carnet représente à peu près 15 jours. Hein, donc, il devait y avoir 200 pages à chaque fois. Donc c'est quelqu'un qui écrivait tous les jours 10, 15, 20, 30 pages, qui collait tous ses billets d'avion, les cartes postales, les lettres qu'il recevait, les lettres qu'il écrivait, et souvent elles sont collées, les enveloppes sont collées dans les carnets, et les lettres sont à l'intérieur. Donc on peut aussi savoir les lettres qu'il recevait, moins facilement les lettres qu'il écrivait parce qu'elles sont parties, mais on peut savoir les lettres qu'il recevait. Il y a ses dernières volontés, qu'il a à un moment donné, en 67, il écrit ses dernières volontés, il contracte une assurance vie. C'est quelqu'un qui était hanté par. Qui avait aussi un côté sombre, hein, qui était hanté par sa disparition. Donc il y a toute cette matière, et en fait j'ai essayé de lui donner une place par l'illustration. Donc la matière du livre, c'est le travail de Mirella Tenderini il y a 30 ans, mais c'est aussi par l'illustration une présence de, je ne sais pas si vous voyez au hasard, ça tombe bien, c'est les photos qui étaient dans les archives de Gary, hein. Toutes les photos viennent de ces archives, et il y a dedans, alors je dois avouer une erreur, c'est que moi j'ai découvert toutes ces photos, donc des diapos magnifiques, et beaucoup magnifiques. Et cette photo que vous voyez sur la page de gauche, et que j'ai légendé par erreur, j'ai mis que c'était le bois du Bouchet, alors que Tim vient de me dire que c'était ici. Donc voilà, c'est assez marrant. Gary Hemming a campé ici. Alors là, pour le coup, je suis sûr que c'est sa tante, parce que quand Claude Gargenton, sa femme, a vu cette photo, elle m'a dit « Oh, ma tante !» Et elle était furieuse parce que c'est elle qui payait la tente et Gary lui piquait pour aller en montagne. Et donc, il y a d'autres photos où on voit la tente où Gary s'en servait quand ils ont fait, par exemple, avec John Harlin, une tentative en hivernale en face nord des Grandes Jorasses. Et donc, il campe un bon moment sur le glacier de l'Échaud. Et c'est cette tente. Voilà. Donc, je suis sûr que c'est la tente. Et j'ai mis... C'est ce qui m'a fait dire que ça ne pouvait être qu'à Chamonix, parce que je ne reconnaissais pas vraiment. Je me dis, les voitures, bon, ça pourrait être aux États-Unis, on ne sait jamais. Mais la tante, oui, je savais qu'elle était là. Donc, mais je me suis quand même gouré. C'est ici et ce n'est pas le bois du Bouchet. Ce qui nous arrange beaucoup aussi, parce que sinon, il n'y aurait pas de cohérence avec le, voilà, tout ce qui est derrière. Après, on n'est pas sûr à 100%. Il y a Andy Parking aussi qui pense que c'est en retard. C'est vrai que d'après les autres photos qu'on a archivées sur le site, tout laisse à croire cela, sachant qu'on n'a pas eu vent d'un vrai camping sauvage au niveau du bois du Boucher à cette période-là. Mais bon, on n'est pas sûr non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'y étais.
cette nouvelle édition, elle est aussi traduite en Italie, ailleurs ? Alors, tiens pas. C'est une histoire assez marrante parce que Mirella Tenderini écrit en italien. Et la première édition, en 91, était sortie en français chez De Noël. La deuxième édition en italien. Et pour l'instant, ce qu'on fait chez Guérin, c'est des éditions très spécifiques. C'est-à-dire que c'est pas une pure édition. D'abord, j'ai un peu retravaillé la construction pour que ce soit plus logique et fluide, un peu plus chronologique. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pour un livre de pur texte, avec un grand flashback au milieu du livre. Et donc, moi, j'ai remis un peu dans un ordre un peu plus simple, un peu plus chronologique, d'une part, et puis d'autre part, il y a un énorme travail d'illustration, et il faudrait un éditeur italien, mais ça, s'il y en a un... Allô, c'est qualcuno, ok. Si un éditeur italien est intéressé, je serais ravi qu'il y ait un retour, comme ça avait été le cas pour la première édition, vers l'Italie, qui est là, le pays de Mirella Tenderini. D'autres... Et du coup, est-ce que cette réédition est un succès de vente ou est-ce que c'est... Comment, je ne sais pas si tu veux en parler, mais ça peut être un signe aussi pour voir si y a vraiment un intérêt nouveau pour ce personnage. Alors, Gary Hemming est moins connu aujourd'hui que François Denne. Donc on vient de sortir la biographie de François Denne qui marche très fort. Oui. On en est déjà à la troisième édition. Donc on n'a pas ce phénomène, voilà. Il n'y a pas un enthousiasme spontané formidable. Mais en même temps, ces livres qu'on fait dans cette collection, ça coûte très cher et c'est des livres qu'on sait, c'est un atout qu'on a chez Guérin, c'est qu'on sait qu'ils vont vivre longtemps. Voilà. Donc on sait qu'il est là pour un bon moment, que l'intérêt pour Gary Hemming, j'espère, continuera et peut-être... augmentera au fil des années. En tout cas, il sera toujours là et c'est des livres qu'on vend sur la durée, hein, cette collection. Donc, voilà. Non, il n'y a pas une explosion d'intérêt pour Gary. Alors, si le film sort, oui, mais pour l'instant, c'est un projet et avec des difficultés et je crois que c'est encore un peu dans les limbes. C'est dans les limbes, mais il y a quelqu'un qui a manifesté de l'intérêt. Moi, ça m'aurait intéressé. J'ai un ami qui était intéressé, qui m'a dit tout de suite, mais est-ce qu'on ne ferait pas un film sur... Et j'en ai parlé au petit-fils de Gary, donc qui est un peu... Nous, on traite avec les ayants droit, donc avec son petit-fils, et qui m'a dit, pour l'instant, il y a un Anglais qui est intéressé, donc voilà. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Après, Charlie va devoir repartir. D'ailleurs, on peut le remercier parce qu'il a fait l'aller-retour uniquement pour nous, pour le festival. Donc, merci à lui. On peut l'applaudir aussi. Et prendre une dernière question, si vous le voulez. Est-ce que... Je voulais savoir qu'on est assez tôt, dans les années 60, et on sort vraiment de l'alpinisme un peu traditionnel des années 50. Dans ces nouveaux arrivants à Chamonix étrangers, est-ce qu'il y a un mélange avec la population chamoniarde, avec les grimpeurs chamoniards? Comment ça se passe la cohabitation un petit peu avec cette nouvelle génération d'étrangers et puis la vieille garde chamoniarde? Alors le plus bel exemple, alors d'abord juste merci Timothée, mais j'ai pas fait que l'aller-retour pour le festival, j'ai un peu de boulot aussi chez Guérin de temps en temps. Donc. Mais j'étais ravi de venir pour être là ici. Le plus bel exemple, c'est le sauvetage des Drus. C'est le sauvetage des Drus, c'est un mélange d'un Américain et des meilleurs grimpeurs français de l'époque. Il y a François Guillot, il y a des maisons, il y a des tas de gens, il y a Lothar Mohr, voilà. Donc ce mélange, il est très visible lors du sauvetage des Drus. Il se fait, moi j'en ai trouvé des traces dans les calanques. Gary, quand il va, il grimpe beaucoup dans les calanques, il adore ça. Et il grimpe souvent avec des Français, avec. Il y est souvent avec Lothar, avec qui il grimpe avec. J'ai oublié son nom, un grimpeur de Marseillais, enfin, ou du Sud. Rébuffa, hein? Lachenal, non. Rébuffa, non, trop tard.
Non, non, la Chenal est mort en 55, donc et Gary est arrivé en 60 ans. Eric Buffa non plus, non, non, c'est plus jeune que ça. Mais donc voilà, il y a sûrement des contacts, mais en revanche, la directe américaine, j'ai un trou, je ne sais plus avec qui il était, mais si quelqu'un se souvient, bon. Et la facette du fou, c'est quatre, Arlene et Heming qui sont américains, un écossais qui s'appelle, quelqu'un peut m'aider. Il y a Tom Frost qui est également américain et un écossais dont j'ai oublié le nom. Voilà. Donc c'est que des anglo-saxons, donc ça parle anglais dans la facette du fou. Donc il y a quelques contacts, mais c'est pas. Voilà. Et je pense que c'est le côté qui fait que le sauvetage du fou a eu cette aura, en fait. C'est que c'était tout d'un coup la manifestation qu'on grimpait ensemble. Voilà. Parce que Gary, quand il arrive, en fait, quand il arrive en Europe, il est en contact avec John Arlene et la plupart de ses projets qu'on voit, dont on a des traces, c'est des projets avec Arlene. Hein, il campe au pied. Alors, s'il y a un grimpeur, on dit yougoslave à l'époque, je ne sais pas de quel. Je sais pas s'il était bosniaque ou serbe, il devait être serbe, je pense. Donc, et là encore j'ai. Hein ? Non ? Non, c'est un autre nom. Il y a sa photo là, voilà. Bon, désolé. Donc il y a un mélange international, mais avec les Français, c'est pas si évident que ça. Alors, je sais pas. Peut-être que y a des gens ici qui sauraient dire comment ça a un peu infusé cette. Comment est-ce que les Français se sont appropriés, puisque j'imagine que la directe américaine devient très vite une autoroute française. Comment est-ce que ça s'est fait, le passage de témoin, enfin autoroute, excusez-moi, c'est un peu méprisant, mais la facette du fou, la directe américaine, ça devient des très très grandes classiques du massif, et comment est-ce que le passage de témoin s'est fait, ça je ne sais pas très bien, mais en tout cas c'est pas énormément par des cordées communes. Bon, eh bien, on va continuer ce débat au bar comme d'habitude.